Un collier de cuir. Tu t'y attendais pas, hein? Tu n'as pas mal. Mon maître, ce n'est rien. Il voulait m'emmener. Ils n'ont pas cherché à l'étrangler. Enlever Gypsy, mais pourquoi? Je croyais être la seule cible. Marmouset, voilà l'événement imprévu. Venez. Il les a vaincus. Voilà un homme. Qui est-il? Je l'ai vu deux fois à la taverne. Je ne sais pas d'où il vient. Il est plus fort que la nuit. Allons annoncer la nouvelle. Maître, regardez! Mais c'est le magicien que nous avons rencontré devant la villa de Lord Charing. Je vais le faire parler! Et il nous dira pourquoi les Teugs voulaient enlever Gypsy. Nous l'enfermerons dans ma cave. Et nous verrons bien si mes murailles l'emprisonneront mieux que mes cordelettes. C'est bien, il fallait être rapide, vous l'avez été. Allons, mes camarades, rentrons. Viens, Gypsy. Maître, avec cet homme, Sir William, c'est peut-être à nous? Oui. Et si Baccarat tient le bon fil. J'imagine tout de même bien que si une comtesse se déguise en femme du peuple et voyage en fiacre de louage, c'est pas pour des prunes, non? Oui, mais... Et oui, mais que l'histoire d'amour qu'il y a là-dessous, c'est au moins avec un duc. Un duc? Peut-être même avec un roi. Un roi? Oh là là. L'ennui, c'est que je viens de coller dans le fossé une roue du fiacre. Brisée en trois morceaux, mon vieux, en trois morceaux, là. Tu te rends compte? Oh là là, bien sûr. Et alors, je peux pas laisser ma comtesse passer la nuit dans une voiture versée. Je viens de demander pour elle une hospitalité discrète. Mais vous êtes fou! Vous ne savez pas ce que c'est que ce château-ci? N'entendez-vous pas les cris des corneilles qui nichent dans la tour? Eh ben, tu logeras ma comtesse ailleurs que dans cette tour, voilà tout. Non! Non. Allez-vous-en ailleurs. Les histoires d'amour, encore moins que les autres, n'ont de place dans ce château. Ah, oui, non, allez-vous-en! Allez-vous-en! Nous partirons alors. Ta maîtresse n'en saura rien. Attendant, fais ton travail. Le roi t'en saura gré. Le roi n'entre pas ici. Abandonneras-tu dans la nuit une femme en détresse? Tu lui donneras la chambre verte. Mais... Quoi, l'aurais-tu pas préparé ainsi que je te l'avais ordonné? Si, alors mais... obéis en silence. Vous partirez à l'aube. Oh mon Dieu, quelle histoire! Qu'y a-t-il? Monsieur l'intendant ne m'a pas laissé lui dire. Je ne peux pas vous donner la chambre verte. Je venais d'y conduire Milady lorsque vous êtes arrivée. Milady? C'est la maîtresse. Elle est rentrée tard. Il lui arrive souvent de changer de chambre. Elle a peur la nuit. Monsieur l'intendant ne l'a pas vue ce soir. Il croit qu'elle dort dans la chambre rose. Eh bien, donne-moi la chambre rose si personne n'y couche. Et monsieur l'intendant n'en saura rien. Oh, madame, vous êtes bonne. Je vais vous conduire. Non, 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 non. Conduis d'abord mon cocher aux écuries. Je t'attendrai. Bien, madame. Alors, j'ai pas gagné la deuxième moitié de la bourse? Je te la donnerai demain matin. Va. Milady. Milady, es-tu le secret de Gypsy? Ou celui de Sir Williams? Qui est Milady? Il est bien temps de s'occuper de Milady quand Gypsy est entre les mains de Rocambole. C'est entre les miennes que je la voulais. Tu comprends? Entre les miennes! Moi aussi, j'aurais préféré voir Gypsy dans cette maison. Mais Tug ne savent plus combattre. Ils m'ont trahi. Je suis trahi! Leur lacet Swan ne pouvait rien contre la ruse de Rocambole.
Il m'a ridiculisé. Moi qui l'épargnais. Moi qui avais si bien précisé à Method, contentez-vous de l'immobiliser. Sa mort est inutile puisque nous en avons Gypsy. Le beau résultat! Gypsy m'échappe. Tant qu'elle ne pouvait apprendre le secret de sa naissance, il m'importait peu que Farou la garde. Mais maintenant, c'est Rocambole lui-même qui la tient. Et par elle, il peut remonter jusqu'à la source du mystère. Me mettre le cœur à nu! Désormais, il me faut aussi Rocambole. Le prochain conseil des Togs en décidera. Quand? Demain. Non. Demain, j'irai à Rochebrune. Il y a trop longtemps que je n'ai vu Milady. Ah oui, Milady. Oui, c'est ça, oui. D'abord voir Milady, et ensuite enlever Rocambole en même temps que Gypsy. Mais Gypsy entre les mains de Rocambole, c'est aussi pour Milady une terrible menace. Je m'en servirai pour obtenir d'elle ce que je veux. Qui est Milady? Tu n'as pas à savoir! Me direz-vous au moins ce que vous comptez faire pour délivrer le prisonnier de Rocambole? Moi, Goury. Qu'il le garde. Il ne pourra rien en tirer. Et une feuille de moins n'a jamais empêché le chêne d'étendre son ombre. Je t'ai déjà questionné dans toutes les langues que je connais. Mais ton silence est resté de marbre. Mais que je m'interroge en ta présence, et voilà déjà la vérité qui avance. Car tu la vois en moi se chercher un chemin. Et malgré toi, tu la guides. Tu la guides avec tout ce qui t'échappe. Un regard, un sourire, le rythme de ton souffle. Ainsi pourquoi Georges Stowe va-t-il donner cette nuit l'ordre d'enlever Gypsy? À cause de moi? Oh, je t'en prie, ne réponds pas. Garde ton silence, grimace de Kali. Je reviendrai te voir. Yainam veti antaram yak, kainam maniate hatan. Évidemment. Tu pourras loger dans la chambre du fond. Tu ne craindras rien, le maître couche à l'étage, il a l'oreille fine. Et ses serviteurs sont des hommes à lui. Et puis, je suis là, moi. Oh, je suis encore tout effrayée. Eh bien, assis-toi et repose-toi. Alors, Gypsy, te plairas-tu dans ma coquille? Elle est belle. En ton honneur, je ne l'appellerai plus coquille, mais cocon. Cocon? Oui, pour le papillon de nuit que tu es. Le serpent a-t-il parlé? Il a des silences que je comprends et des mots que je ne comprends pas. Mais nous le tiendrons au frais quelque temps dans ma cave. Gypsy. Gypsy, ta naissance est un secret. Un secret qu'il nous faut maintenant dissiper. Ce secret nous dira pourquoi tu as cette marque sur ton épaule et pourquoi Sir Williams est devenu le chef des étrangleurs. Mais n'aie pas peur, Gypsy. Aime toujours Pharaoh comme ton père, je t'en prie. Pourquoi comme? Le mystère que tu es, nous le dissiperons. Le trouble de ta vie s'apaisera. Et tu deviendras de nouveau la source claire. Baccara. Un fidèle Baccara tient peut-être le fil. Le fil de ton histoire. Voilà, c'est ici. Je vous demande pardon, je n'ai qu'une seule bougie. Mais la lune est si claire cette nuit. Milady a couché dans cette chambre la nuit dernière. Elle l'aime bien, elle y couche souvent. Elle l'appelle la chambre du silence. La chambre du silence? Mais pourquoi? Parce que nous sommes dans l'aile nord du château et que d'ici, on n'entend pas crier les corneilles ni aboyer les chiens. Qui est cette femme? Je crois que c'était la sœur de Milady. Il paraît qu'elle est morte il y a longtemps. C'est bien, va-t'en. Tiens, voilà pour toi. Et demain, je partirai à l'aube. Ne crains rien. Merci, madame.
parricide. Combien de temps encore me laisseras-tu errer ainsi la nuit à la recherche de mon repos? Oh, ma fille, j'ai besoin de ton repentir pour que la paix revienne enfin dans mon cœur glacé. Oh, ton crime a dérangé l'ordre même du monde. C'est son horreur qui a fait jaillir de la tombe le corps décharné de ton père. Oh, repens-toi. Recherche, recherche, retrouve la petite Dorothée, l'enfant de ta sœur que tu as dépouillée il y a 10 ans, au nom d'un fol amour. Oh, recherche, recherche, retrouve. Oh, Hélène, cet homme que tu as aimé, cet homme que tu aimes encore, éloigne-le de toi, rejette-le de toi. Rejette son emprise maléfique. Il est accroché à toi comme la tunique même de Nessus. Oh, Hélène, Hélène, rejette-le. C'est par lui que le malheur, le crime et la folie sont entrés dans cette maison. Éloigne-le de toi. Éloigne-toi de ses charmes magiques. Oh, ma fille, réveille-toi. Et la paix reviendra dans ton cœur. Et tu retrouveras Dorothée. Et tu lui rendras sa richesse. Et tu vivras dans la paix. Moi, je trouverai enfin le repos. Regarde. Maître. Vous avez des nouvelles de Baccarat? Pas encore, non. Oh, la nuit est passée, voici le jour et nous ne savons toujours rien d'elle. Vous me jurez qu'elle n'est pas en danger? Gypsy, je n'aurais jamais accepté l'aide de Baccarat si je ne la savais pas capable de faire front. Mais... Alors, voyons. Qu'est-ce que tu fais, marmouser des tours de cartes? Oui. Eh bien, c'est très bien. Continue, continue. Regarde, Gypsy, regarde. Rien dans les mains, rien dans les poches, hein. Donne. Tiens, regarde, marmouser, tu vois. C'est extrêmement facile. Tu as l'as de carreau, n'est-ce pas? Bon. Hein, toujours l'as de carreau. Oh, le valet de carreau. Amuse-toi, entraîne-toi. Évidemment, contre vous, je ne suis pas de force, mais... Ouais, entraîne-toi. Baccarat, mon ami. C'est le fil? Oui. Oh, mes amis, quelle nuit ai-je passée et qu'ai-je vu? J'ai voulu courir jusqu'à vous, mais je n'avais plus de voiture. J'ai dû marcher jusqu'à la barrière. Et vous, le mariage? Donc, toi d'abord, raconte. La dame en noir. Vous l'avez suivie? Bien sûr. On l'appelle Milady. Son prénom est sans doute Hélène. Je ne sais rien de plus sur son identité. Sinon, qu'elle est la propriétaire d'un château de la vallée de Chevreuse, qu'on appelle Rochebrune. Mais j'ai appris d'autres choses. J'ai dormi dans sa chambre. Et un spectre m'a rendu visite. Un spectre? Oui, il s'est trompé de chambre. Il croyait parler à Milady, alors qu'il me parlait à moi-même. Les vrais spectres ne font pas de ces erreurs-là. Et qu'a-t-il dit? Il ressort de sa longue plainte que Miss Hélène, enfin Milady, aime... depuis longtemps, sans doute, un homme qui la tient sous sa domination et sous l'emprise duquel... Mais, pardon, avez-vous dit à Gypsy? Oui, Gypsy sait que Pharaon n'est pas son père et cela n'a pas changé son cœur. Je ne suis absolument sûre de rien. Mais j'ai trouvé, dans la chambre du château, un portrait de la sœur de Milady. Il m'a semblé trouver une ressemblance avec... Enfin, ce n'est peut-être justement qu'une ressemblance. Et alors, Miss Hélène? Donc, Miss Hélène, sous la domination de cet homme inconnu, aurait dépouillé Dorothée. Dorothée? Oui, la fille de sa sœur, sa nièce, quoi. Elle aurait dépouillé Dorothée d'une mystérieuse richesse, et puis elle l'aurait sans doute abandonnée alors qu'elle n'était qu'une enfant, car le spectre disait « Recherche, recherche, retrouve ». Mais
Les étrangleurs, la marque. Rien là-dessus. Rien ne prouve donc que Dorothée soit gypsy. Non, rien. Rien, absolument rien. Si ce n'est cette ressemblance du portrait. Vous auriez donc vu le portrait de ma mère? Gypsy, rien n'est encore certain, tu le vois bien. Mais puisque cette dame est venue me voir, me parler, m'interroger, et puisqu'elle m'a donné une bague en me disant, imagine que c'est ta mère qui te la donne. Gypsy, si ce fil-là est le bon fil, comme je le crois, il n'est encore tiré qu'à moitié. Et il faut garder la tête froide jusqu'à ce que nous le tenions tout entier entre nos mains. Et l'homme? L'homme qui tient Milady sous son emprise. Celui qu'elle aimerait depuis l'enfance de Dorothée. À mon avis, oui, cet homme peut nous donner le mot de l'énigme. Et si cet homme était... Sir Williams, j'y ai pensé. Je ne vois pas comment il pourrait s'agir de Sir Williams. Et pourtant, maître, cela expliquerait tout. Et son intérêt pour Gypsy, sans doute riche. Et sa présence chez les étrangleurs. Et c'est Sir Williams qui, il y a 10 ans, aurait, sous le nom de George Stove, marqué Gypsy. Oui, non, non. Alors, tu vois bien. Cela dit, il me paraît nécessaire que Sir Williams ait un quelconque rapport avec Milady. Sinon, notre fil n'est pas le bon fil. J'ai peut-être le moyen de m'en assurer. Où vas-tu? Marmouset, raconte à Baccarat comment s'est terminée la bataille. Bon. Alors? Non. D'abord, donne-moi à boire. J'ai la gorge sèche. Et même pour t'écouter, je n'aime pas ça. Salut, mon beau silence. C'est encore moi. Non, non, n'aie pas peur, je viens seulement te regarder, tandis que je te raconterai mes histoires. C'est un excellent exercice, non? Voilà, mon cher ami, j'ai un problème. Je viens de trouver une Milady. Tu connais? Non, tu ne connais peut-être pas, peu importe. Donc, Milady. Pour que tienne debout ce que je pense, il est absolument nécessaire que ton George Stowe soit en étroite relation avec Milady. Oh, oh. On dirait que je viens de poser sur ton nez une abeille en colère. Tu te rends-tu compte que tu viens de crier quoi? Comment? Qu'est-ce que c'est? En somme, tu ne savais peut-être pas que Milady et George Stowe étaient en étroite relation, mais tu crois que c'est possible, c'est ça? Et ça t'ennuierait. C'est ça. Bon, voilà qui me suffit maintenant pour que je sois certain de 2 choses. Primo, Milady est le bon fil de l'histoire. Secondo, il est hors de doute que George Stowe... À propos, depuis combien de temps le connais-tu, ton George Stowe? Méfie-toi, mon beau silence. Dans l'organisation de votre société secrète, vous prenez tellement de précautions que vous finissez par ne plus très bien savoir qui est et pourquoi. Non, ceci n'est qu'un petit conseil d'amis en passant. Donc, secondo, il est hors de doute que George Stowe est en affaire avec Milady. Reste à savoir en quoi consistent ces affaires. Vous. Encore vous. Toujours vous. Oui, moi. Toujours moi. Jusqu'à ce que vous vous décidiez à comprendre. Mais pourquoi me torturez-vous ainsi? N'est-ce pas assez des cauchemars qui hantent mes nuits? Vous n'avez pas me raconté encore que votre spectre est venu. Vous savez bien que je ne le crois pas. Et pourtant, mon remords est assez fort pour remplir mon esprit d'images d'épouvante. Madame, il vous suffit de si peu pour que la paix vous revienne. George Stowe, allez-vous encore me répéter ce que vous m'avez déjà dit 100 fois? N'avez-vous pas encore compris? Rien n'a changé. Si. Aujourd'hui, tout a changé. Et quoi? Depuis 2 jours, un danger vous menace, madame, un danger imminent. Et lequel? Un étranger a retrouvé Dorothée. Qui l'a retrouvé? Où? Je ne peux pas vous le dire. Sachez seulement que cet étranger a soustrait Dorothée au prêtre de Cali et qu'il est sur le point de découvrir son secret. S'il y parvient, adieu richesse. Et vous voilà jeté à la rue. Vous! Enfin, ne me ferez-vous donc pas confiance? Pour vous donner ma confiance, vous me demandez de croire à ce qui me déchire. Vous ne vous sortirez donc jamais cet amour du cœur. J'ai vu à l'IRMG aux Indes, madame. Vous avez vu le père, et vous n'êtes même pas capable de me dire si le fils est mort ou vivant. Mais votre fils a disparu, et je sais pourquoi. À l'IRMG veut rompre tout ce qu'il rattache à vous. Vous mentez! Vous dites qu'à l'IRMG parle par votre bouche, mais vous le trahissez! Voilà la vérité! Prenez garde.
Entre Alirimj et votre solitude, il ne peut y avoir que moi. Je suis le seul maillon de la chaîne. Et si ce maillon casse... Vous n'aurez donc jamais pitié de moi. S'il a pu vous sembler que je trahissais Alirimj, c'est justement parce que j'ai pitié de vous. Ne me faites pas regretter ce sentiment. Madame, vous avez assez souffert. Assez donné. À vous de vivre maintenant. Votre fidélité fut exemplaire et je peux vous le dire en conscience. Vous pouvez jouir en paix de la fortune de votre père. Dans 8 jours, vous ne le pourrez plus. Dites-moi où vous avez mis votre coffre. Et vous n'aurez plus d'inquiétude à vous faire, je vous le jure. Je ne vous le dirai jamais. Mais il faut bien que je le sache pour remettre vos affaires en place. Mais comment comptez-vous parvenir au but? Ceci me regarde, vos tourments sont trop grands pour que vous preniez encore ce souci en charge. Dites-moi où? Le coffre est à Londres. Où, à Londres? Chez... Mais dites-moi seulement comment vous comptez obtenir satisfaction. Mais il suffit d'une preuve juridique que je peux parfaitement vous donner. Alirimj, officiellement mort, vous avez seul la disposition de votre fortune. Alirimj mort? Sur le papier seulement. Oh. Que me demandez-vous là? Mais madame, puisqu'Alirimj vous trahit, laissez-moi donc vous venger. Que celui qui me trahit le sache bien. Je n'ai besoin de personne pour assurer ma vengeance. Nous ne tenons que la moitié de l'histoire. Et encore, nous ne sommes pas certains qu'il s'agit bien du secret de Gypsy. Si seulement notre énigmatique prisonnier n'avait pas la langue gelée. Et voilà, je me heurte à un mur de silence. Et Rocambole ne sait pas abattre les murs. Tant que nous pouvons employer d'autres moyens. Baccarat, ce qui me préoccupe en ce moment, c'est ton fantôme. Qui est-il? Pourquoi joue-t-il ce rôle? Il est évident qu'il sait tout, il faut tout savoir pour être fantôme. Et il nous reste encore bien des points à éclaircir au sujet de la petite Dorothée et de Milady. Conclusion? Conclusion, nous irons dès cette nuit à Rochebrune. J'ai 2 mots à lui dire, à ton fantôme. Oh. Oh. Hélène, ma fille, n'auras-tu donc pas pitié de moi? Moi, je ne puis espérer la mort pour mettre fin à mes tourments. Mon père. Mon père. George Stowe est venu te dire qu'Alirimj ne pensait plus à toi et qu'il t'avait trahi. Il n'a pas menti. Alirimj t'a trahi. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi ne veux-tu pas le croire? Ne sais-je pas bien ce que je dois savoir? J'avais pourtant espéré qu'aujourd'hui le repentir commencerait d'entrer dans ton cœur. M'as-tu pas entendu la nuit dernière? La nuit dernière? Si, si, je suis venu. Tu m'écoutais immobile et tu semblais boire mes paroles. Mais la nuit dernière, tu n'es pas venu? Mais si, tu le sais bien. Je... Mais que fais-tu? Non, je ne rêve pas. Tu n'es pas le cauchemar que mon remords suscite. Qui es-tu? Hélène, tu ne me reconnais plus. Tu as le visage de mon père. Mais tu n'es pas mon père. Mon père dort de son dernier sommeil, dans le parc de son château d'Écosse. Qui es-tu? Non, non. Ne tire pas. Que peut une balle de pistolet contre un spectre? Oh, oh. Oh, tu m'as tué. Moi, Hélène, qui ne voulais que ton bonheur. Bob! Misérable! Misérable! Pleure. Pleure, Hélène. Libère ton cœur des monstres qui l'habitent. Oui, je suis Bob. Qui souffre de ta souffrance. Je suis Bob, qui t'a aidé secrètement, sous les combles du château de tes ancêtres, à mettre au jour le fruit de tes amours avec Alirimj. L'hindou regarde serpent. Pleure, pleure,
Repens-toi. Afin que je puisse mourir en paix. Oui, bien qu'attends-tu, imbécile ? Cours ! Hurle à la mort ! Réveille le monde ! Que tous viennent contempler l'ouvrage de mes mains. J'ai tué Bob. Bob le fou. Le seul être qui m'ait aimé pour moi-même. Au secours! Au secours! Que se passe-t-il? Monsieur l'intendant! Il est blessé, il est mort! Où cours-tu? Cherchez le médecin! C'est moi. Vous? Oui. Comment avez-vous su? Madame m'a prévenu. Mais madame n'était pas là. Ben forcément, puisqu'elle venait me prévenir. Allons, conduis-nous, vite. Baccarat, prends ma trousse. Je te sauverai, Bob. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je ne peux pas te le dire. C'est une balle de pistolet? Mais qui êtes-vous? Le médecin. Déjà? Madame, je suis toujours là où il faut, quand il le faut. Vous permettez? Oh, mon Dieu, je l'ai tué. Baccarat. Madame, vous avez besoin de repos. Je vais mourir. Je le sais. Je ne peux rien pour votre vie. Mais si vous êtes un honnête homme, je peux tout pour la paix de votre âme. Que voulez-vous dire? Je veux assurer le bonheur de Dorothée. Dorothée? Connaissez Dorothée? La bohémienne gypsy. C'est elle, n'est-ce pas? Oui. C'est elle, c'est elle. Elle est chez moi depuis hier. Je la garde. Je la protège contre ses ennemis. Oh, monsieur, soyez béni. Mais pour que je puisse lutter contre ses ennemis, il faut que je sache son histoire. Oui, monsieur. Je vais vous la dire. Je pourrai enfin mourir content. Elle repose. Je vais chercher un médecin. Vous n'êtes pas médecin? Non, monsieur, il va venir. Reposez-vous un instant. Non, non, le temps presse. Il faut que je vous dise... Calmez-vous, calmez-vous. Et... L'heure des grands secrets doit être paisible. Oh. Que votre bonté est grande, monsieur. Moi qui n'espérais plus dans la bonté des hommes. Comme elle était belle, la petite Dorothée, la fille de Lady Anne. Elle me rappelait sa tante, Miss Hélène, Milady. Les temps étaient heureux dans le château de Lord Perkins. Et puis le malheur est venu. Il est venu des Indes. Comment le savez-vous? Je sais l'histoire des prêtres de Cali. Oui. Il a pris la forme d'un jeune hindou au regard brûlant et au dangereux sourire. Son nom? Ali Remji. Continuez. Miss Hélène a rencontré Ali Remji dans les rues de Londres un soir de fog. De cette rencontre, monsieur, est né un amour le plus étrange et le plus violent du monde. Mais, Dorothée... J'y arrive, monsieur. Lady Hélène eut un fils d'Ali Remji. Lord Perkins, en apprenant la nouvelle, eut la faiblesse de maudire sa fille. Il la déshérita, elle, l'aînée, au profit de la cadette, Anne. Peu de temps après, Lord Perkins mourait de chagrin en criant à Hélène « C'est toi qui m'as tué. » Anne prenait alors possession de l'immense fortune. Sous l'impulsion d'Ali Remji, les prêtres de Cali entraient dans la partie. D'abord, Sir Richard. Sir Richard. Le mari de Anne
et le père de Dorothée. Dorothée, marquée du signe de Cali. Anne, prise de panique à la vue de ce signe, emmenait sa fille à Paris et la confiait à un bohémien. Aussitôt après, Anne revenait au château et disparaissait, enlevée sans doute par les thugs. Tout cela, monsieur, pour que Miss Hélène et Ali Remger puissent entrer en possession de l'immense fortune dont le testament de Lord Perkins les avait frustrés. En quoi consiste cette richesse ? Vers le milieu de sa vie, Lord Perkins avait fait un assez long séjour aux Indes. Il en était revenu avec un coffre rempli d'une immense richesse. Des rubis, des perles, des diamants. Voilà l'enjeu. Oui. Un enjeu qui serait la propriété légale de Dorothée si Dorothée revenait. Oui. Et où est-il maintenant, Ali Remger ? Aux Indes, probablement avec son fils. Son fils ? Oui, celui de Miss Hélène. Il l'a emmené au moment de la séparation. Voilà 10 ans que Miss Hélène n'a pas revu son enfant, ni même Ali Remger. Et Milady demeure fidèle au souvenir d'Ali Remger. Sa fidélité fait son malheur, mais elle a tout de même une excuse. Elle espère revoir son enfant dont l'existence est un mystère. Voici 4 mois, Ali Remger a envoyé à Milady un messager, un certain George Stowe. C'est Ali Remger qui a envoyé George Stowe à Milady ? Oui. Cela a l'air de vous surprendre. Vous connaissez George Stowe ? Non, non. Reposez-vous maintenant, monsieur. Oui. Oui, je vous ai tout dit. C'est un terrible secret que vous avez entre les mains. Il reste encore un détail. Hélène, vous avez tout entendu. Oui, et cela n'a plus d'importance maintenant. Oh, Hélène. Pourquoi as-tu joué cette horrible comédie ? Parce que j'avais retrouvé Dorothée. Toi ? Oui. Et depuis ce jour, je tremble. En vous disant ma découverte, est-ce que je ne l'exposais pas à la colère des thugs ? Il fallait d'abord que je provoque en vous le sursaut qui vous libère d'Ali Remger. Et je n'ai trouvé que la terreur. Moi aussi, j'ai cherché Dorothée. Et ce n'était pourtant pas pour la perdre. Miss Hélène, vos intentions sont peut-être pures et vos remords sincères, mais votre faiblesse est grande. Et la puissance des thugs, plus grande encore. Oui. Nul n'a pu encore mesurer leur puissance. Seuls peuvent l'expliquer tous les sortilèges de l'Inde et les secrets de ces magiciens. Asma zakta saratam karyam karma samakara. Asaktoya karam karma. Karamam doti purusha. Par les égouts, je savais arriver jusqu'au mur de ta prison. Et la Kali est venue à mon secours. J'ai tâté le mur, une pierre a bougé. Cette communication secrète de la cave avec les égouts a sans doute été établie sous la Révolution française. Elle devait servir d'éventuel chemin de fuite aux prêtres réfractaires qui se cachaient ici. Et l'actuel locataire de cette maison n'est certainement pas au courant de ce détail. Il est donc nécessaire de lui fournir une explication à ta fuite. Gypsy, pour la 10e fois, va te coucher, tu tombes de sommeil. Moi ? Oui, en tout cas, si t'as pas sommeil, tu devrais. Je vais attendre leur retour.
Mais qui te dit que le maître et Baccarat rentreront cette nuit? Le spectre, ça ne s'interroge pas comme le premier venu. Je les attendrai. Oh, les femmes. Va te coucher, toi, si tu as sommeil. Moi, j'ai sommeil, moi? Ah non, tu es frais comme un gardon. Ah bon? Puis d'abord, je dois veiller sur toi. Alors? Viens. Alors, vous savez tout? Presque tout. Alors, qui est-elle au juste? Gypsy, tu n'es pas une bohémienne. Tu appartiens à l'une des plus grandes familles de l'Angleterre. Mon maître, même si j'étais une princesse, je resterais Gypsy, la fille de Faro. Ah, j'aime mieux ça. Alors, écoute. Rien. Le grand prêtre de Calais ne nous aurait-il fait tenir depuis les Indes aucun message? Bien, George Stowe l'aurait-il déjà pris? Yuri, dans 3 jours, la lune entrera dans son dernier quartier et Gypsy, la bohémienne, n'est toujours pas entre nos mains. Oui, moi aussi, Yuri. Moi aussi, je suis inquiet. George Stowe ne t'a-t-il pas abandonné au fils de Siva? C'est moi seul qui ai voulu ta délivrance et qui suis allé te chercher entre les mains mêmes de notre ennemi. Pourquoi George Stowe t'abandonnait-il? Et pourquoi George Stowe voit-il si souvent Milady? Ce que t'a dit le fils de Siva a confirmé mes doutes. George Stowe est allé voir Milady hier encore et il ne nous en a rien dit. Qu'avait-il donc de secret avec elle? Que veut George Stowe? Que veut George Stowe? Sans délai, monsieur de Beaupréau. Il me faut Rocambole sans délai. Je vous aiderai. Je suis prêt à tout. Eh bien, je m'en souviendrai. Monseigneur, monseigneur, vous me reconnaissez? Je suis Niccolo. Je vous ai déjà servi il y a 3 ans. Et je vous ai bien servi, moi. J'ai fait tout ce que j'ai pu, moi. En voilà des façons, qu'est-ce que tu me veux? C'est vrai, ça, en voilà des façons. Écoutez-moi, monseigneur, je vous en supplie. J'ai à vous dire quelque chose de très important. Autrement, vous pensez bien, je ne vous aurais pas poursuivi comme ça. Mais quand vous saurez tout, je suis persuadé que vous m'écouterez. Sinon, vous m'enverrez à l'abbaye de Montaregret, épouser la veuve, et je serai d'accord. C'est bon. Arrête! Je t'écoute. J'espère que tu ne regretteras pas tes dernières paroles. Allez! Eh bien voilà. Je suis venu pour vous parler du frère de Collard. Faut pas te gêner. Tant que tu bois, tu peux bien attendre jusqu'à l'année prochaine. Si tu crois que c'est facile, attraper au vol un gars de la haute comme celui dont j'ai besoin. C'est lui. Monseigneur. C'est vrai, tu ressembles à Collard. Pas forcément. C'est qu'il vous aimait bien, mon frère, vous savez. Si vous aviez pu entendre comment il me parlait de vous quand on s'encontrait. S'il n'y avait pas eu ce rocambole de malheur... Oui, alors? Alors voilà. Est-ce que vous voulez que je vous débarrasse de rocambole? Crois-tu donc que j'ai besoin de toi? Monseigneur, précisons tout de suite, je viens pas vous vendre mes services. Ce que je vous propose de faire, je le ferai pour l'amour de l'art. Mais si vous me proposez un petit quelque chose, je dirai pas non, mais... je réclamerai pas. C'est ici la nuance? Non. Je ne saisis pas la nuance. C'est tout ce que tu avais à me dire? Mais monseigneur, un homme comme moi prêt à tout... Imbécile! Quant à toi, tu peux porter ta tête au bourreau.
Vous saviez croire qu'en bas a vu Milady? Qu'est-ce que tu dis? C'est d'abord Baccarat qui est allé à Rochebrune. C'est même moi qui l'ai fait entrer au château. Et puis Rocambole y est allé la nuit dernière. Viens me voir ce soir chez moi. Je te l'avais bien dit que Milady était son point sensible. Grâce à elle, Niccolo, c'est un complice que je viens de ferrer. Allez. C'est ta faute. Oui, c'est ta faute. C'est ta faute. Tout est de ta faute. Mais tout est toujours de ta faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis innocent, moi. Je t'ai recueilli pour que tu me fasses rire. Oui. Et tu m'as pas fait rire. Non. Oh non, tu m'as pas fait rire. Et que peut faire l'homme sans le rire? Le rire qui déploie sa force et qui claque dans le vent comme une décharge de mousqueterie. Rien. Et l'homme qui ne sait pas rire est vaincu d'avance, et toi, tu me laisses seul. Seul, moi, l'inquiet, toujours tourmenté par ma fringale. Et voilà le résultat. Rocambole, c'est tout. Il a levé le lièvre, il a été à Rochebrune, il a vu Milady. Et par ta faute, par ta faute, dinde et autruche. Autruche, tu te caches la tête dans le sable pour ne pas voir briller mon soleil noir. Non, moi, je vous ferai rire. Je vous ferai rire, vous verrez. Oh, non. Si. Non, Rocambole a levé le lièvre, mais je ne suis pas le lièvre. Il est le chien qui court, mais je ne suis pas le lièvre. Je me retrouve, moi. Et je fais face. Même si j'étais un ver de terre, je me retournerais contre le talon qui m'écrase. Mais je ne suis pas un ver. Je suis l'énorme araignée au centre de la toile. Et mes fils de soie rayonnent. Tu veux y passer ta tête, Rocambole? Eh bien, tu t'y étrangleras. Oui, tu connais Milady et tu connais le secret de Gypsy. Mais tu me connais pas encore, moi. Mon beau clown dérisoire. Je vais à nouveau t'enturbaner. Hein? Et tandis que je charmerai mes serpents dociles, je garderai devant les yeux la vision de tout un amas d'étoiles scintillantes enfermées dans un coffre. Le coffre. Le coffre rempli de pierreries fabuleuses. Voilà la clé. Voilà pourquoi Sir Williams a usurpé la place de George Stowe. Pour chasser encore une fois l'héritage. Quel homme. Devenir pour cela l'un des chefs d'une société secrète internationale. Et l'évasion de ton Indien muet. C'est lui sans doute qui l'a organisé. Cette porte crochetée de l'intérieur alors que l'Indien ne disposait que de ses doigts. Baccarat, Sir Williams deviendrait-il plus fort que moi? En chassant des héritages qui lui échapperont toujours. C'est vrai. Le pauvre homme. Remarque que l'héritage ne lui a pas encore échappé. Il nous suffit de savoir où est le coffre pour qu'il ne puisse plus l'atteindre. C'est là l'un des deux problèmes qui nous restent à résoudre. Quel est l'autre? Ali Remjé. Ce mystérieux Ali Remjé qui vit aux Indes et qui, à distance, garde sur Milady un tel pouvoir de domination. Peut-être. Mais ne crois-tu pas que le problème le plus important est d'abord le coffre? Ne serait-ce que parce qu'il s'agit de rendre à Gypsy ses droits et sa fortune. Mmh. De toute façon, toutes nos questions ont une seule réponse, Milady. Ah oui, il reste le secret de Milady. Et pour le percer, une seule solution. Laquelle? Rocambole. Quoi, Rocambole? Rocambole ne serait-il plus le sésame? Dis-moi, mon bon maître, je suis venu à toi comme le page vient au chevalier pour que tu m'éblouisses et que tu m'apprennes des tours. Mais si tu ne sais plus que poser des problèmes, je me retourne d'où je viens. Oh, Baccarat, Baccarat, douterais-tu de moi? Je ne doute pas de toi, je veux seulement que tu te dépêches. En deux nuits, nous avons découvert les secrets de Gypsy et de Sir Williams. La lancée est bonne, il faut en profiter. Ah, certes, certes, mais... Ton Indien muet. Maintenant qu'il a retrouvé ses complices, il a sans doute aussi retrouvé sa langue. Et comme tu lui as raconté tous tes petits soucis... Oui, Sir Williams sait donc que je sais. Mais il ne sait pas que je sais qu'il sait que je sais. Ah. Qu'importe. En cette minute, les thugs sont peut-être assemblés. Ils complotent de l'heure et du lieu où le rat de marée compte nous balayer. Rocambole. La seconde lutte qui nous attend, c'est d'abord une course. Et gagner la course, c'est décider avant eux du champ de bataille. Tu as raison, Baccarat, tu as raison. Il faut que je me hisse à cette hauteur nouvelle.
Rocambole, étends les bras et envole-toi. Oh, il me faudra l'instant. Quelques déclics du destin. Tu sais, comme au théâtre, lorsque le héros claque ses doigts en direction de la porte et que cette porte s'ouvre. Monsieur, il y a là une dame en noir qui désire vous voir. Fais l'entrée. Ça, c'est Rocambole. Film. Bob est mort. En mourant, il m'a supplié de venir vous voir. Me voici. Mais je serais venue de moi-même. Non. Debout. Je vais rester debout. Monsieur, vous êtes arrivé chez moi sous l'aspect d'un médecin. Pourquoi ? Êtes-vous à Paris ? L'œil secret d'Ali Remjé lui-même ? Je ne suis l'œil de personne. Et je ne vois que pour mon propre compte. Alors, que me voulez-vous ? Hier, vous avez affirmé que vous ne connaissiez pas George Stowe. Qu'avez-vous à faire avec George Stowe ? Ceci me regarde. Et Dorothée ? Bob m'a dit que vous l'aviez enlevée. Pourquoi ? N'ayez aucune crainte, madame. Je ne vous veux aucun mal. Je désire même que notre entretien vous apporte un peu de cette paix dont vous semblez avoir un si grand besoin. Quand ils ne peuvent plus lutter contre le vent, les goélands se posent. Ils savent que leurs cris n'ont jamais apaisé la tempête. Ne voulez-vous vraiment pas vous asseoir ? Prenez garde. Si vous me trompez... Si je vous trompe... C'est que je me serais trompé sur la femme que vous êtes. Et je désire croire en vous. Mais qui êtes-vous pour me parler ainsi? Plus tard. George Stowe n'attend pas. Oh, George Stowe. Il est mon dernier bourreau. Il affirme qu'Ali Remjé me trahit. Il prétend donc le connaître. Il prétend être son messager depuis les Indes. Il me propose de m'offrir une preuve de la mort de celui qui l'envoie. Pourquoi cette proposition? La fortune de mon père est à la disposition d'Ali Remjé. Avec cette preuve, j'en obtiendrai seule l'entière jouissance. Bien sûr. Ce coffre rempli de pierreries, où est-il ? Aux Indes ? Non. À Londres. Chez Maître Hauptmann, notaire. George Stowe sait-il que le trésor est à Londres ? Oui. Mais malgré ces questions de plus en plus pressantes, je ne lui ai jamais dit où. Vous vous doutez donc de sa traîtrise ? Le doute ne me suffit pas. Je veux la certitude. Pourquoi ? Si je peux être certaine que George Stowe, sous le couvert généreux de me sauver d'un traître, ne songe qu'à s'emparer de la fortune de mon père, alors il me reste une chance. Celle d'espérer Ali Remjé fidèle. Vous pouvez garder cette chance. George Stowe n'est qu'un imposteur. Il n'a travaillé que pour lui. Est-ce ainsi que vous espérez ? Oh, l'aveuglement d'un cœur que la passion ravage ! Voici enfin la certitude et... elle ne m'apporte rien. George Stowe a mis le doute dans mon esprit. Il l'a mis par ruse, mais le doute demeure. Et me ronge, me ronge, me ronge ! Vous l'aimez à ce point ? Oh, si je l'aime. C'est au nom de cet amour que vous acceptez tant de malheurs dans votre famille. Car Ali Remjé a partie liée avec les étrangleurs, n'est-ce pas ? Oui. Et vous l'avez laissé faire ? Oui. Si grand que pouvait être mon remords, un charme l'a toujours empêché d'agir. Ainsi, pendant toute ma vie, j'aurais franchi lentement les portes de l'enfer. Vous ne savez donc pas ce qu'est la révolte ? Comment aurais-je pu ? En vous arrachant cet amour du cœur. Et mon fils, l'avez-vous oublié ? Il avait tout juste un an quand Ali Remjé me l'a pris. Et je me souviens à peine de son visage. Je suis celle que le spectre a visitée par erreur. J'ai tremblé à votre place. Madame, nous vous aiderons. Vous me perdrez. Comme Bob que j'ai tué de ma main. J'ai plus de pouvoir que Bob. Je peux déjà vous libérer de George Stowe. Et je vous en libérerai. Dorothée.
Et où l'avez-vous trouvé? Dorothée. C'est Gypsy, la bohémienne. Oh, je ne m'étais donc pas trompée. Gardez-la bien, monsieur. Gardez-la bien. Je vous le promets. Gardez-la. Même de moi. Non. Seule. Comme je suis venue. Qui êtes-vous? Je suis celui qui a juré la perte des étrangleurs. Je suis Rocambole. Et moi, je suis l'épouse secrète et légitime d'Ali Remjé, le chef suprême des étrangleurs. Nous commencerons par remercier la déesse de nous avoir rendu notre bien-aimé frère Bourri. Elle lui a permis, par l'intermédiaire de notre frère Osmanka, d'échapper aux terribles mains du fils de Siva. Nous allons maintenant consulter l'oracle, car l'action nous presse et nous avons d'importantes décisions à prendre. Mais que faites-vous? Notre place n'est-elle pas près de toi? Mais c'est la première fois que vous vous avancez ainsi. Alors pardonne-nous de ne pas l'avoir fait plus tôt. Âme de mon père. Âme de mon père. Éclaire nos esprits angoissés et indique-nous l'action qui plaira à la déesse. Le fils de Siva a lancé sa foudre. Il nous a pris Gypsy, la bohémienne. N'est-il pas vrai qu'il nous faut la lui reprendre avant la fin du prochain jour? Oui, oui, mon père. Oui, avant la fin du prochain jour, Gypsy, la bohémienne, sera ici. Quant au fils de Siva, qui a osé porter la main sur elle, âme de mon père. Si je te demande quelle doit être notre action, c'est uniquement parce que le respect m'inspire, car je sais bien que Kali ne peut que le vouloir entre ses mains redoutables. Oui, mon père. Oui, nous nous emparerons du fils de Siva en même temps que de Gypsy, la bohémienne, et nous le châtirons de son audace. Tu as mal vu, l'oracle a dit non. Que dis-tu? L'oracle a dit non. N'est-il pas vrai, Guri? Repose-lui la question. Âme de mon père, âme de mon père, nous devons nous emparer du fils de Siva en même temps que de Gypsy, la bohémienne, n'est-ce pas? Bien qu'il a dit non. Kali a parlé. Nous savons ce que la déesse nous commande. Nous pouvons nous retirer. Monsieur de Beaupréau. Monsieur. Donnez-moi votre main. Le sol me manque sous les pieds. Oh, monsieur, que puis-je faire pour vous? Je vous ai traité de clown, monsieur de Beaupréau. Je vous ai méprisé. Vous devez m'en vouloir. Je méritais vos insultes. Enfer! Et damnation! Corne du diable! Pied fourchu de baiser du... Oh, que le suis-je? La bouche même du volcan, pour cracher le feu qui me dévore et engloutir le monde sous un torrent de lave. Monsieur, monsieur, au nom du ciel! Si ça peut vous soulager, battez-moi, monsieur. Battez-moi. Et maintenant, maintenant que les instruments de ma puissance ne m'obéissent plus, comment vais-je faire pour m'emparer de Rocambole? Moi, j'ai un plan tout prêt. Et d'où sors-tu, toi? Je ne sors pas, j'entre. Hein, tu fais de l'esprit. Vous m'avez demandé de venir, me voici. J'ai sonné à votre porte, j'ai dit « George Stowe m'attend ». Et votre laquais m'a introduit. Et vous ne me chasserez pas parce que vous avez besoin de moi. Tu oses me narguer? Monsieur, j'ai moi aussi besoin de vous. J'ai voué à Rocambole une haine, si dure qu'elle me fait mal.
Quand je le vois, je me sens devenir boulet de canon. Alors écoutez-moi d'un cœur tranquille. Mon plan est bon. Et sans votre secours, peut-être ne vaut-il rien. Il y a, dans les environs immédiats de Paris, des ruines romaines que connaissent surtout les hommes de mon genre, des arènes, je crois. Et l'une d'elles a été transformée en souricière par un éboulement, comme ceci. Nous plaçons à l'intérieur de la souricière un fromage, baccarat par exemple. Il ne nous reste plus qu'à attendre le rat. Qu'en dites-vous? Par où introduit-il le fromage? Par ici. Et par où doit arriver le rat? Par là, mais ne vous inquiétez de rien, j'ai tout prévu. Il ne me manque qu'une chose. Quoi? Le moyen de m'emparer de... du fromage. Je vais te le donner. Celui-ci t'accompagnera. Monsieur de Beaupréau. Prenez, monsieur de Beaupréau. Et ouvrez. Vous déposerez ce serpent sur le lit de Baccarat afin qu'il la morde. Baccarat aussitôt perdra sa volonté propre et vous obéira. Ah oui, c'est vrai. Oh, mon beau serpent. C'est pas dangereux. Puisque monsieur vous accompagne. Allez, clown, va te transformer en charmeur. Et dès que tu auras remis Baccarat entre les mains de ce monsieur, reviens me voir. Tu as osé. Ici. Il le fallait bien. Pourquoi? Parce que je sais tout. Tout? Tout. J'ai vu Milady, je sais même où se trouve le coffre. Où? Les dents. Et alors? Alors tu as perdu. Tu peux remonter, tu sais. Tu es sûr d'avoir le temps? Oui. Seulement je n'en profiterai pas. Pourquoi? À quoi bon? Ce n'est pas parce que tu me tiendras que tu gagneras. Tu as déjà perdu. Pourquoi viens-tu me narguer jusqu'ici? Et le respect que tu me dois, qu'en fais-tu? Mon bon maître, j'ai voulu vous épargner l'humiliation de la défaite. Qu'est-ce que tu dis? Si vous renoncez maintenant, vous pouvez vous en aller avec les honneurs de la guerre. Mais si vous m'obligez, moi, à vous... Non. Non, ça, je ne veux pas. Abandonner avant la fin? Me prends-tu pour un lâche? Je ne t'ai jamais donné de pareilles leçons, Rocambole. Andrea, je t'en prie, renonce. Pas avec toi. Avec toi, c'est impossible. J'aurais dû m'en douter. À qui as-tu dit que tu venais me voir? Personne. Pas même un Baccarat? Non. Rocambole. Mon bon maître. Et si je te disais que c'est moi qui te tiens? Ici? Non, ailleurs. Qu'as-tu fait? Ah, serais-tu inquiet maintenant? Tu me jures que c'est moi que tu tiens? C'est d'abord toi. Rentre chez toi, Rocambole, vite. Et garde-toi bien. Surtout, garde-toi bien. Alors, nous allons nous battre jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Bonne chance, monseigneur. À toi aussi, Rocambole, bonne chance. Tu en as besoin.
Mais c'est moi qui gagnerai. Adieu, mignonne. Quel dommage. Baccarat, levez-vous. Mon Dieu, ça marche. Non. Par ici. Je parle et elle obéit. Je commande aux éléments. Arrêtez! Elle arrête. Qui l'eût cru? Passez devant. Les voilà. C'est vraiment très pratique. La voiture de madame est avancée. Je vais quand même prendre les précautions habituelles. Toujours le même, tu crois pas au progrès. Tu vas faire ton rapport à Saint-Williams? Oui. J'ai notre chef suprême, notre père bien-aimé, il revient. Il sera parmi nous. Nous connaîtrons enfin son vrai visage. Il ne dit pas le jour de sa venue. Il demande seulement que j'aille prévenir Milady. George Stowe, bien sûr. À l'IRMG demande que nous continuions à lui obéir et que nous enlevions Gypsy comme il était prévu. Il désire cependant que nous nous informions secrètement afin de savoir ce que George Stowe complote avec Milady. Ainsi, au cours de la visite que je dois faire à Milady pour lui annoncer le prochain retour de l'IRMG, je dois transmettre les instructions que voici. Tiens, lis. Je suis entrée, le lit était vide, la fenêtre ouverte. Alors j'ai compris. Il y avait encore l'échelle contre le mur. Qu'est-ce qui se passe? Baccarat a disparu. Quoi? Oui, très certainement enlevé. Sir Williams. Ah, c'est elle peut-être. Vous? Oui. Il faut que je voie tout de suite le major Avatar, puisqu'on doit ainsi le nommer. Phil, je retrouverai ta maîtresse foi de rocambole. Bonjour, monsieur. La personne qui m'envoie m'a chargé de vous rassurer. Peut-être savez-vous déjà que Mademoiselle Baccarat... Je sais. Et ne doute pas d'où vient le coup. Mademoiselle Baccarat sera traitée aussi bien que possible.
Sir William se désire seulement se servir d'elle pour obtenir de vous certains avantages. Où l'as-tu enfermé? Tu vas parler ou l'as-tu enfermé? Non. Maître, je vais vous aider. Non, ne me battez pas. Ne me battez pas, lâchez-moi. Laisse-le. Tu vas parler? Oui. Oui, je jure de dire toute la vérité, mais ne me battez pas. Ne me battez pas. Monsieur de Beaupréau, que vous êtes laid. Vous, un ancien chef de service du ministère. Monsieur, si vous saviez... Si je savais quoi? Ma peau ne me va pas. Elle est trop petite pour moi. Alors j'ai voulu en sortir. Mais au lieu de m'élever, je suis tombé dans la fange. J'ai suivi Sir Williams. Et que vous fait-il faire? Tout ce qu'il salirait lui-même. Certaines nuits, je pense à Hermine, ma pupille, que j'ai failli vendre de mes propres mains. Mais je me dis qu'il n'est pas possible que ce soit là ma plus grande faute. Il faut que j'en commette d'autres, plus graves, plus grandes. Mmh. Oui. Vas-y, tenez. Baccarat, c'est moi qui l'ai enlevé. Vous? Oui. Oui, Sir Williams m'avait donné le moyen d'endormir sa conscience. Et elle m'a suivi comme un petit enfant. Et où l'avez-vous emmené? J'avais ordre de la remettre à quelqu'un, pas un homme que je ne connais pas. Il l'a conduite au nord, tout au nord de Pantin. Aux ruines romaines? Comment le savez-vous? C'est un endroit connu de la pègre que maintenant vous fréquentez. Oui. Il paraît que dans l'une des salles souterraines, il y a eu un éboulement et que cela fait une prison magnifique. J'y vais. Non. Marmouset, emmène-le dans la cave. Il rocambole. Allons, papère, reste là. Comment je... Te conduire à ta chambre. Je dis la vérité et on m'enferme. Mais la vérité, ça se paye. Oui. Il a eu pitié de moi et il me fait enfermer. Il a eu pitié de moi, et je l'envoie. Je l'envoie. Oh. Et là, revenez! C'est un piège! Ça te prend soin. Revenez! On ne bouge plus, c'est par là! Pardonne-moi, ma jolie, mais j'ai rien trouvé de mieux pour tes beaux yeux. Je veux que tu trouves ce qu'il faut. Comment est-ce que j'ai dans le cœur? Je peux pas être élégant. À bientôt, au beau fromage. Allez, viens, on vous en prie.
C'est bien ici, monseigneur. Je vois. Eh bien, comment va fonctionner la souricière? Eh bien, Rocambole arrivera par le même chemin que vous. Il cherchera l'entrée, comme vous. Naturellement, j'aurais caché le fiacre et moi, je me serais planqué là, où j'étais il y a un instant, vous ne m'avez pas vu. Et puis, ce sera très simple, au passage, un jeu d'enfant. Imbécile. Pardon? Imbécile! Ta méthode est tout juste bonne pour attraper un âne boiteux. Est-ce ainsi qu'on capture la zibeline et le renard? Ne sais-tu pas que Rocambole, c'est l'insaisissable? Une souricière est un piège qui doit fonctionner tout seul. Tu ne vas tout de même pas t'imaginer que tu es capable d'attraper Rocambole. Si j'en suis pas capable, personne n'est capable. Voilà la vérité. Personne n'en est capable, sauf lui. Sauf lui. Et je suis tellement certain qu'il s'attrapera tout seul que je vais pouvoir pousser dès ce soir le pion suivant sur l'échiquier du diable. Tout va se passer ainsi. Franchement, que tout à l'heure, j'avais si peur de vous. Je ne pensais pas que c'est vous qui me porteriez secours. Ma petite, tu as voulu sortir de tes palais, de tes lumières. Eh bien, sois satisfaite. Tu as réussi. Sortir d'ici, ça, c'est une autre affaire. Si je pouvais. Avec tes jolies mains. Te voilà redevenue Louise Crochet. Tu penses à ton père, à ta mère, à ta sœur Cerise comme si tu allais mourir. Mais tu ne vas pas mourir. Je ne pourrai jamais sortir seule de ce trou. Rocambole viendra. Rocambole peut tout. Il te sauvera. Non, il n'est pas possible que ta lutte se termine ici. Pourvu que Rocambole vienne vite. Allons. Allons, ma petite. Ne cesse pas de te parler, cela donne du courage. Et Sir Williams. Il va peut-être venir, lui aussi. Hein? Bien. Qu'il vienne. Qu'il vienne. Il est venu ici. Je le sais. Et une femme qui lui est dévouée, qui s'appelle Baccarat, est venue elle aussi. En quoi cela vous regarde-t-il? Oubliez-vous qui je suis. Cet homme est l'ennemi des Thug. Il a juré de les abattre. Le fou. Mais il tient Dorothée. Vous la lui reprendrez? Oui, certes, certes. Mais s'il est parvenu à percer votre secret, comme je le crois, Dorothée sait aujourd'hui qui elle est. Qu'importe, puisque vous la lui reprendrez. Ne me poussez pas à bout, madame. Et ne vous croyez pas à l'abri des Thug. Je ne suis ici que pour vous sauver, et je vous sauverai malgré vous, s'il le faut. Ne pensez-vous pas que je puisse trouver étrange un désir aussi violent de me sauver malgré moi? Non, si vous croyez en ma haine, Dali Remché. Vous le haïssez. Voilà pourquoi vous dites qu'il me trahit. Non, il vous trahit, voilà pourquoi je le hais.
Je crois en la cause que je sers, moi, madame. À l'IRMG, joue sa foi comme il joue l'amour, afin de puiser à l'aise dans la fortune de votre père. Ne sont-ce pas là des motifs légitimes de haine? Bon et généreux George Stowe. Le temps n'est pas au sarcasme, madame. Tout doit être terminé d'ici demain. Demain, Dorothy sera entre les mains des prêtres de Cali. Et le même jour, nous devons partir ensemble, à Londres. Ensemble? Demain? Pourquoi? Parce que demain, Ali RMG sera peut-être à Paris. Que dites-vous? Ali RMG arrive. Et votre seul salut est dans la fuite. Londres ne sera d'ailleurs qu'une étape. Lorsque nous aurons repris la fortune de votre père, je vous conduirai jusqu'en Amérique. Et là seulement, vous serez à l'abri. Vous me demandez donc de partir au moment même où arrive celui que j'attends depuis 10 ans. Oui, il le faut. Si vous le voyez, vous êtes perdu. Alors que lui seul peut me dire où est mon fils? Mais je vous rendrai moi-même votre fils, madame. Oui, j'irai le chercher jusqu'aux Indes. Mais comment espérez-vous l'ôter aux mains d'un homme qui m'a retiré cet enfant que pour modeler son esprit? Mais je l'arracherai par la force s'il le faut. Et je le conduirai jusque dans vos bras. Mais il faut que vous acceptiez de fuir avec moi à Londres dès demain. Sinon, je ne réponds plus de ce que je puis faire. Bon. J'accepte. Vous croyez enfin en la traîtrise d'Ali RMG? Non. Alors pourquoi me suivre? À cause de mon fils. Vous m'avez promis de me le rendre. Voilà ce qui me décide à vous obéir. Êtes-vous satisfait? Oui. À demain, madame. Baccarat. J'étais sûre que tu me retrouverais. J'aurais mis Paris à l'envers pour te retrouver. Regarde, par ce trou peut-être, tu pourrais me lancer une corde. N'as-tu pas désespéré? J'ai douté de moi, mais pas de toi. Allez, saute! Saute, rocambole, tu vas l'attraper! Tu me reconnais? Je suis le frère de Collard, le pâtissier. On s'est déjà rencontré chez maman Fipard, tu te souviens? Je te l'avais pourtant bien dit ce jour-là qu'on se retrouverait, hein? Et aujourd'hui, le pâtissier vient de prendre en piège le grand, l'immense rocambole, ouais! Le légendaire rocambole est aujourd'hui fait comme un rat. Et par qui? Par moi, le pâtissier.
Allez, médite en paix là-dessus. Je vais chercher de quoi te distraire. Rocambole. Six heures, Marmouset. Ça fait 6 heures que le maître est parti et il n'est pas encore de retour. Et le maître sait ce qu'il fait. Et l'homme que vous avez enfermé dans la cave, n'a-t-il pas dit que c'était un piège? Il peut pérer gâté, c'est pas ce qu'il dit. Et si c'était vrai? Si c'était vraiment un piège? Tu vas finir par me faire peur. J'ai peur. J'ai peur, je veux que tu aies peur aussi. Oh, les femmes, les femmes. Marmouset! Marmouset! Armanda Yuda Creu. Нет, к сатрия сен альяты. Où est ton complice? Il est reparti aux ruines. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? C'était pas la peine, je peux tout vous dire. Faut m'obéir quand je donne des ordres. Mais... Et rocambole. C'est fait, il y est. Tout s'est passé comme prévu? Exactement. Bon, parfait, voilà pour toi. Mais monseigneur, ah, encore. Vous m'avez pas laissé vous dire pourquoi le pâtissier vous avait pas attendu. Mais je m'en moque. Adieu. Écoutez, ça vous fera tellement plaisir. Le pâtissier m'avait chargé de lui trouver un baril de poudre. Quand je lui ai amené, il est reparti. Il était si impatient. Un baril de poudre? Pourquoi faire? Pour faire sauter Rocambole, pardi. C'est pas une bonne idée, ça? Imbécile. Rocambole enfermé dans une cloche à rats. Le monde marche la tête à l'envers. Je n'ai pas pu atteindre ce morceau de ciel. La paroi est trop lisse. Mais toi, peut-être. Il faudra pourtant bien tenter l'escalade. L'homme qui a retiré l'échelle, c'est celui qui t'a amené ici. Oui. Et il était avec un petit, maigre. Le pâtissier et Niccolo. Je me demande pourquoi Sir William s'est servi de ces deux imbéciles. C'est moi que tu traites d'imbécile? Tiens, 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 te revoilà. Eh oui, me revoilà. Je te fais peur? Je suis prudent, voilà tout. Tu déménages? Non. C'est un canot pour toi. De la poudre à canot. Tu aimes? Oh, j'espère que tu n'as pas oublié la mèche. Non. Et regarde comme elle est belle. Elle brûlera pendant 10 minutes pour faire durer le plaisir. Tu veux du feu? Merci, j'en ai. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu permets? L'heure est douce. Je tiens à en profiter. Viens voir, Baccara. Le fauve se pourlèche déjà les babines en regardant sa proie. Il n'est pas beau. C'est toi qui as eu l'idée de ce cadeau? Oui. Les imbéciles, ça a parfois des éclairs. C'est toi. Toi seul. Tu ne pouvais pas me faire plus de plaisir. Allume ta mèche, je m'en moque. On dit ça? Allume et tu verras. Allons, allons, allons. Allume, je te dis. Rocambole, et notre travail? Tu as raison, Baccara. Excuse-moi, pâtissier, mais quand tu es arrivé, nous étions en train de creuser un chemin de fuite. Il faut que nous reprenions notre ouvrage. Qu'est-ce que... Tu vas pas me faire ça? Quoi, ça? Rocambole, regarde! La mèche brûle! Tu vas mourir et Baccara aussi! C'est que j'ai peur, hein? Parce que si je n'ai pas peur, tu ne te sentiras pas bien vengé, c'est ça, hein? Tais-toi! Mais... C'est toi qui as peur. Moi? Tu as peur. Peur de mes paroles. Collard me disait, Rocambole, il ligote un homme rien qu'avec sa langue. Mais tu me ligoteras pas, moi, je t'écoute plus. Même si tu te bouchais les oreilles, tu les rouvrirais bien vite. Et il me suffit de disparaître... pour t'obliger à m'écouter.
Rocambole, où es-tu? Je veux te voir! Ah, c'est gênant, un homme qui n'est plus présent que par sa voix. Il suffit qu'il se taise pour qu'il s'en aille. Où es-tu? Rocambole, où es-tu? Je veux te voir! Rocambole, où es-tu? Sors de là! Rocambole est parti. Quoi? Nous t'avons dit que nous creusions un chemin. C'est pas possible. Tu ne connais pas Rocambole? Rocambole, réponds-moi, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Rocambole fait ce qu'il veut, quand il veut. Rocambole, réponds-moi! Réponds-moi! Mais puisque je t'ai dit qu'il n'est pas là, rentre si tu ne me crois pas. Mais dépêche-toi, la mèche brûle et tu vas sauter tout seul. Es-tu fou? Donne! Un triple imbécile! T'as jamais ordonné la mort de Rocambole! Merci, mon bon maître. Mais dans une minute, j'allais sortir d'ici et je l'aurais éteinte moi-même. Rocambole, bonjour. Comment te portes-tu? Fort bien. Quoique le logis manque un peu de confort. Voilà pourquoi tu prétendais en sortir. Comment? J'avais réussi à faire croire au pâtissier que je m'étais envolé. Et il allait entrer pour voir. Oui. Eh bien, ne fais pas cette tête, pâtissier. Tu as voulu te mêler à un combat qui n'est pas à ta mesure, tu n'aurais pas dû. Je vais vous montrer s'il n'est pas à ma mesure. L'imbécile. Prétends-tu être assez fort pour m'empêcher de poser à nouveau mon pied sur la mèche? Eh bien, éteignez-la. Mais n'oubliez pas. Un homme à qui on vole sa vengeance est capable de tout. Oui, oh, vous méprisez le pâtissier. Vous le prenez pour un imbécile. Et vous savez pas ce qu'il peut. Et il va vous le prouver. Moi aussi! Moi aussi! Je peux brandir la foudre. Moi aussi! Vous êtes ici et vous y resterez. Tous! Tous dans le même trou! Tous des rats! Tous! Tu l'entends, Rocambole? Il veut brandir la foudre. Lui. Tous des rats. Tous, tous. Je le devine s'agitant au bout de son échelle, comme un pendu coriace pris de folie. Et il a obstrué le puits de sortie. Le fou, le beau fou, il croit nous tenir ainsi, nous. Tu devrais tout de même penser à éteindre la mèche. Rien ne presse. Ne vois-tu donc pas comme elle est longue? Le fou voulait jouir longtemps du spectacle et en ça, il avait raison. Rocambole, laisse-moi te regarder. Je suis content de te revoir. Alors tu es venu me narguer jusqu'à l'intérieur de mon cirque. Tu avais fort belle allure, assis sur les genoux de la déesse. Je t'ai admiré du fond du cœur. Mais aujourd'hui, c'est moi qui te tiens. J'ai gagné. J'ai revu Milady. Nous partons ensemble demain pour Londres, avec le coffre. Oui. Avec le trésor de Lord Perkins. Avec tout un amas d'étoiles scintillantes que je ferai danser dans mes mains. Et Gypsy? Gypsy. Il faut bien que j'assure ma victoire, pardonne-moi. À cette heure, mes Indiens sont sur le sentier de la guerre. Non. Tu n'auras pas Gypsy. Tu n'auras pas Gypsy. Allô ?
Cocher! Cocher! Zut, encore un qui est pris. Tu as perdu, Rocambole. Renonce. Ce sont les paroles que tu m'as dites dans la pagode. Moi aussi, je veux t'épargner l'humiliation de la défaite. Là, la mèche. Tu sais bien que je l'éteindrai. Laisse-la brûler encore. Elle fait planer sur nous une mort qui nous donne notre vraie grandeur. Ne la sens-tu pas toute proche, cette mort, par qui nous nous sentons vivre si fortement? Renonce. Entre nous, il peut être noble de déposer les armes. Pas avec toi. Pas avec toi, ce sont tes propres paroles lorsque je t'ai fait la même prière. Je n'aurais pas dû. Trop tard. Pourquoi? Qu'espères-tu? Et toi? Mais nous partirons ensemble, Rocambole. Nous nous séparerons secrètement et personne ne saura jamais l'issue de ce combat. Viens, mon fils. Où? Oh, fou que vous êtes. Vous n'oubliez que le grain de sable, et c'est celui qui fait s'écrouler les plus hautes tours. Mais le puits est bouché. Comment sortirez-vous d'ici? Je gratterai la terre. Et la terre vous engloutira. Jusqu'à ce qu'il ne me reste plus que des moignons de main. Fou. Allez-vous comprendre que vous êtes ensemble dans la même prison? Eh bien, es-tu satisfait maintenant? Je te laisserai derrière cette grille. Crois-tu donc être devant? Qu'importe, puisque je te vois de l'autre côté. Vous ne cesserez donc jamais? Jamais. Et la mort seule mettra le terme? Oui. La mort seule. C'est toi qui l'as dit. Qu'ai-je dit? Pardonne-moi, mon petit, mais tu comprends bien que maintenant, je ne peux plus éteindre la mèche. Voici la fin. Mon bon maître, tu l'as voulu? Baccara, il le fallait. Baccara? Je ne suis plus la Baccara. Car aujourd'hui, l'important, ce n'est pas la mort. L'important, c'est d'être soi. Rocambole, tu te souviens de notre première rencontre? En ce temps-là, je me battais contre Armand de Kergaz. Tu disais, je suis le mal qui lutte contre le bien. Et aujourd'hui, c'est toi qui as remplacé Armand de Kergaz. Mais je ne suis pas le bien. Je suis la vie qui lutte contre la mort. Oh, Monseigneur, pourquoi n'aimes-tu pas la vie? Je l'aime à ma façon. Quand tu ne penses qu'à détruire. Les plus belles fleurs poussent sur les champs de bataille. Alors, respecte la fleur. À quoi bon, la profusion de la nature est infinie? Mais chaque fleur est unique. Mais chacune doit passer. La vie, la mort, sont les deux battements de cœur de la nature. J'ai choisi la vie. J'ai choisi les deux. Tu oublies l'innocent. Je n'oublie pas. Mais je sais qu'il doit payer comme le coupable. Mais tu fous! As-tu perdu l'esprit? La justice ne doit pas avoir de place en ce monde. Sinon, que pourrait être ce paradis dont parlent tous les mystiques de toutes les religions? La justice ici-bas est un idéal de mécréants, puisqu'il laisse tous les au-delà inutiles. Esclave. Tu penses comme un esclave? Esclave, moi? Oui, esclave! Esclave de tes désirs de vengeance et de possession et de puissance. Toute ta belle philosophie n'aboutit qu'à un coffre plein de pierreries. Tu l'as cru? Prétendrais-tu que tu ne chassais pas encore une fois l'héritage, Andrea de Philippone? Le trésor du Major Perkins n'était qu'un moyen. C'est la royauté d'Alir MG que je voulais. Pour tenir le monde. C'était cela, la conquête dont tu me parlais quand nous regardions ensemble les funambules? Oui, c'était cela. Et avec toi, j'aurais réussi. N'importe, il me reste l'orgueil d'avoir osé tout seul. Tu es allé chercher bien loin ta royauté. Il faut régner loin pour bien régner. Il faut régner juste.
Et le royaume d'un tel règne est à portée de la main. Que veux-tu dire? Je suis homme, donc je suis roi. Don Quichotte, tu es l'homme qui se donne. Don Juan, tu es l'homme qui se cherche. Tu t'es donc trouvé pour te donner ainsi? Je n'ai pas eu le temps de me chercher. Allons, mes combattants. La fin est proche. Tenez vos cœurs prêts. Andrea. Mon petit. Si le baril saute, tu as raison. J'ai peur d'avoir raison. Qui sait? Tu espères? Oui. Quand même. Mec! Mec, où êtes-vous? Parmouset. Parmouset! Il y a eu un éboulement dans le puits d'accès. L'échelle de corde est restée prise. Essaie de la dégager, vite. Tu vas t'enfuir? Oui. Et me laisser? Tu as la clé. Je te laisserai l'échelle éteindre la mèche. Et pourquoi ne pas jouer jusqu'au bout? Tu m'as dit, si le baril saute, tu as raison. Le baril ne sautera pas. Nous verrons bien. Vous étirant sur son échelle qui résiste. Notre combat se joue maintenant sur une question de muscles. Je ne souhaite pas qu'il réussisse. La vie m'attire autant que la mort. Comme aux temps anciens, j'attends le jugement de Dieu. Le voici. T'attends là-haut. Baccara vient de me dire... Oui, un baril de poudre. Venez vite. Il n'aurait pas éteint la mèche? Avec lui, sait-on jamais. Il ne viendra pas. Il sait qu'il a perdu, il se laissera sauter. Non, non, il aime trop la lutte. Il a éteint la mèche, mais il se fait attendre par plaisir. Tu vois bien qu'il n'a pas voulu mourir. J'aime mieux cela. Je suis content de vous voir. Voilà. Le destin a décidé qu'il nous fallait continuer la lutte. Vous n'avez pas éteint la mèche. Monseigneur, tu es un ennemi de belle qualité. Et maintenant? Maintenant, j'ai faim. Si nous ne pouvons faire la paix, au moins accordons-nous un instant de répit. Monseigneur, je t'invite à déjeuner. Volontiers. Nous prendrons mon coupé. Je l'ai caché à quelques pas d'ici. Monseigneur, pouvez-vous me déposer sur votre passage? Il faut que je change de tenue.
Faites-vous belle, Baccarat. L'idée de ce repas m'amuse. Prends, Jéricho, tu trotteras derrière. Gypsy. Oh, ne vous inquiétez de rien, maître. Allez toujours à la maison, où Milon la garde. Peut-être ne se sont-ils pas encore aperçus de son absence. Nous aurons tout le temps de la cacher. Balam, balavatam, kam kamala gavrajitam. Nous avons aujourd'hui un invité de marque. J'exige un repas de grand style. Nous serons cinq. Baccarat va venir nous rejoindre. En attendant, fais-nous servir une bouteille de champagne. Nous en avons besoin. Bien, monsieur. Monsieur, on vient d'apporter ce billet pour vous. Monseigneur, je suis heureux de vous accueillir chez moi. Tu veux m'étonner avec des façons. Oh, monseigneur, je ne cherche qu'à vous être agréable. Je vous en prie. Non, vous êtes soit gentil, va aux cuisines, on ira sans doute besoin de quelques surveillances. Bien, maître. Et le champagne? Je t'en garderai une coupe. Allez, va. J'apprécie beaucoup le rite dans la vie quotidienne. Il s'en dégage une urbanité qui donne aux rapports humains plus de rondeur et de facilité. Ne pensez-vous pas, monseigneur? Merci. Où veux-tu en venir? À ceci. Je veux bien ne pas avoir gagné si tu reconnais avoir perdu. J'en sais plus que tu ne crois. Peut-être même plus que tu ne sais toi-même. Et quoi? Les thugs. Tes fidèles thugs t'abandonnent. Ils n'obéiront bientôt plus qu'à leur chef suprême, à l'IRMG lui-même. Tu es tout seul. D'où te vient une telle certitude? À l'IRMG est à Paris. Le champagne est excellent. Qu'as-tu dit? Répète. L'IRMG arrive aujourd'hui même à Paris. Comment le sais-tu? C'est mon secret. Ne suis-je pas à Rocambole? Bon, L'IRMG arrive, et alors? Qu'est-ce que ça change? Je pars demain à Londres avec Milady pour aller chercher le trésor de Lord Perkins. Il n'y sera plus. Je pars, moi, ce soir, à Londres avec Gypsy, c'est-à-dire Dorothée, pour réclamer l'héritage. Maître, Gypsy a disparu. Par exemple. La prison n'est pas confortable, mais nous ne te laisserons pas longtemps ici. Allons. Tu croyais saisir la victoire, mais la voilà qui te brûle les doigts. Gypsy est en mon pouvoir. C'est toi qui as perdu. Mon bon maître, tu n'oublies qu'un détail. Tu es mon prisonnier. Trois autres de mes hommes sont prêts à te jeter dans ma cave. Oh, Rocambole, c'était donc un piège. Et moi qui étais venu chez toi en confiance. Oh, que tu me déçois. Parce que je me suis trop bien souvenu de tes leçons. Eh bien, Rocambole, qu'en dis-tu? Je ne pensais pas que tu me regarderais un jour avec cet œil lanceur de mort. Il ne tient qu'à toi que la mort se contente d'un regard, laisse-moi passer. Tu tirerais? Si tu m'y obliges. Écoute, un pareil instrument entre nous deux n'a pas sa raison d'être. Il faut fermer la bouche à feu. Tu fous. N'aie pas peur, il n'est pas chargé. Quoi? Dans la voiture, j'ai visité tes poches, juste le temps d'ôter la balle. Me prends-tu pour un enfant? Glisse un œil dans le canon, tu verras bien. Coq, ne monte pas sur tes ergots, je vais tirer. Alliage, acta est. Faiseur de tour, montre-moi si tu as réussi celui-là.
Décidément que cette musique est bruyante. Mais je te remercie, tu n'as pas douté de moi. Crois-tu donc que je ne sache pas lire dans ton œil et que j'ignore tes talents? Je te reconnais bien là, mon fils. Ta main est toujours aussi vive et légère qu'un écureuil qui fait sa cueillette. Le compliment de l'ancien chef des pickpockets de Londres me va droit au cœur. Eh bien, puisque tu me tiens pour l'instant, que comptes-tu faire de moi? Monseigneur, je vais vous demander d'accepter à la cave le repas que je suis navré de ne pouvoir vous offrir en ces lieux. Ah, bah que ton valet se dépêche, j'ai faim. Et s'il tardait trop, il risquerait fort de ne plus me servir chez toi. Penses-tu trouver ailleurs une meilleure table? Où? Chez moi. Et je pourrais y inviter Gypsy. Rocambole, ton prisonnier dispose encore d'une arme terrible. Où est Gypsy? Je l'ignore. Mais je le saurai vite. Où est Gypsy? Mes thugs ne m'obéissent plus avec la même rigueur. Ils ont enlevé Gypsy sur mon ordre, mais rien ne prouve qu'il l'ait conduite à la pagode. À la cave! Vite! Il faut que j'étudie sur place le meilleur moyen de disparaître. Monsieur de Beaupréau, je vous amène un compagnon de table. Tu l'avais donc déjà invité, celui-là? Je crois savoir qu'il était un convive que vous appréciez, monseigneur. Allons, Miliculus, je vais vous faire servir. Vous ici. Ah, en me donnant ta compagnie dans un pareil moment, Rocambole a vraiment inventé un supplice chinois. Je crois vous retrouver tous en paix, non? La trêve est rompue et Gypsy a disparu. Milon m'a appris que Gypsy était sorti à ma poursuite lorsque j'ai filé à votre recherche. Baccarat, je suis désespéré. Baccarat, Marmouset, nous repartons. J'ai demandé à Milon d'alerter Mort des Braves. J'ai besoin de tous mes compagnons. Pour la dernière bataille? Oui, une bataille que nous livrerons contre les seuls thugs, enfin. J'ai réussi à enfermer le loup Sir Williams avec l'agneau Beaupréau. Allons, vite! Vas-tu te taire, clown? Clown? Oui. Vous vous trompez, monseigneur. C'est moi qui suis le roi. C'est vous qui êtes devenu le bouffon. Aurais-tu perdu la tête? Cette cave doit manquer d'air. Non pas. J'y respire l'air de ma victoire. Monseigneur, voudriez-vous sortir d'ici? Tu pourrais m'en fournir le moyen? Oui. Toi? Moi. Et qui te l'aurait donné, ce moyen? Osmanka. Il est venu ici délivrer Guri. Hier, ils parlaient entre eux du secret de cette cave. J'ai entendu leur conversation. Tu connaîtrais donc le moyen de t'enfuir et tu serais resté là. Oui. Oui, ma vocation est de souffrir entre quatre murs. Je suis un homme malade. La liberté me fait peur. Je ne te crois pas. Ah, vous me croirez, monseigneur. Il le faut! Sinon, où serait ma victoire? Si ce moyen n'existait pas, comment Guri se serait-il enfui d'ici? Mais il existe, mais tu ne le connais pas. Je le connais! Rocambole ne le sait pas. Cette cave était sous la Révolution la cachette d'un prêtre réfractaire. L'un de ses murs pivote et ouvre sur les égouts. Lequel? Je ne vous le dirai pas. Pas plus que je ne vous dirai le déclic du mystère. Maintenant, vous me croyez. Et cela me suffit. Allons, clown! Clown, cherche! Cherche, je ne te dirai rien! Vas-y, clown! Tu ne trouveras pas! Allons, allons! Petit clown ridicule! Ridicule, petit clown! Tu ne trouveras pas! Je ne te dirai rien, petit clown!
petit clown. Monseigneur. Monseigneur. Tu vas parler? Tu vas parler? Non. Bats-moi. Je m'en moque. Bats-moi. Je suis quand même le bourreau. Hey, tes mains s'accrochent à mon habit, mais c'est moi qui te tiens. Et je m'accroche à toi de tous mes yeux. Et je te remercie d'être enfin ma victime. Vous m'avez pris ma dignité. Voilà ce que je ne vous pardonnerai jamais. Vous m'avez pris ma dignité parce que vous êtes fort et que je suis faible. Voilà le plus grand de vos crimes. Sir Williams, par vous, je n'ai plus d'esprit, je n'ai plus d'âme, je n'ai plus rien. J'ai eu pourtant pitié de toi. Vous m'avez trop montré cette pitié pour qu'elle ne me vole pas, elle aussi, un peu de ma dignité d'homme. Monsieur de Beaupréau, je vais encore vous voler. Et je vous en demande pardon humblement, oui, oui. Humblement, mais il le faut. Qu'allez-vous encore me faire? Vous savez bien que vous êtes incapable d'aller jusqu'au bout de vos actes. Donc, sans que je menace et sans que je supplie, vous allez me dire le secret de la muraille. Non. Non. Si. Si. Et pardonnez-moi, monsieur de Beaupréau. Oui, pardonnez-moi, mais nous ne pouvons plus nous délivrer l'un de l'autre. Et il me reste une dernière dignité à vous voler. Oh, ça me coûtera, ça me coûtera. Autant qu'à vous. Voyez dans quel état je suis. Plus tard. Plus tard. Laissez-moi un moment. L'illusion d'exister. Non, tout de suite, il le faut. Plus tard. Non. Je vous estime trop pour accepter que l'illusion vous suffise. Qu'avez-vous dit? Je vous estime trop pour accepter que l'illusion vous suffise. Vous me mentez avec de bien belles paroles. Sais-je moi-même si je mens? Monsieur de Beaupréau, je vais compter jusqu'à trois. Et vous me direz le secret. Un. Non. Deux. Non. Trois. Venez, mon ami. Venez. Je vais vous rendre votre dignité et votre honneur. Et vous n'aurez plus peur de la liberté. Je vous le promets. J'irai seul. J'ai besoin de votre œil ici. Guettez. Que comptes-tu faire? D'abord, rejoindre Gypsy, coûte que coûte. Il ne m'a pas emmené. M'en veut-il de l'enlèvement de Gypsy?
Mais pourtant, il fallait bien que je la quitte pour aller à votre secours. Patience, Marmouset. La bataille va bientôt venir pour toi aussi. Monsieur de Beaupréau. Allez! Cet égout est une cheminée de volcan. Il va cracher au monde le triomphe de Sir William. Vous êtes fou! Vous êtes fou! Ma victoire est désormais certaine. Londres demain et dans 15 jours l'Amérique. Les Tugs tiennent Gypsy. Et Gypsy, c'est tout. L'Amérique, mon ami! Je vous y emmène. Vous y boirez un alcool qui vous brûlera jusqu'à l'âme. Et le soleil durcira vos profonds. Vous serez en roi! Et je vous apprendrai à vous tenir debout. Mon Dieu, que puis-je faire pour vous guérir? C'est vous, maintenant. Bien, voilà du beau travail. Conduisez-moi vite, c'est pour ça que je suis venu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu finis de piaffer. Si tu veux bien trotter tout à l'heure, commence d'abord par rester tranquille. Mais écoute, à la fin... Mais à la fin, tu m'énerves. Il a dit restez là, ne bougez pas, attendez Mordez Brave, et si je ne suis pas là dans un quart d'heure... Et le quart d'heure est presque passé. Oui, mais Mordez Brave n'est pas là. Bon. Dis-moi, si le maître ne revenait pas... Eh bien... Tu aurais mal d'une autre façon que moi, n'est-ce pas? Oh, puis t'en fais pas, c'est sûr qu'il reviendra. Titouine, tu mets ton nez là où il ne faudrait pas. Bon sang. Eux? Comment ont-ils fait? La cave de Rocambole serait donc un panier percé. C'est pas possible. Il doit y avoir un truc que le maître ignore. On y va? Je t'ai dit non. Mais... Sir William, ces Beaupréau ne changent rien à l'affaire. Bon, bon. Tu es à mes côtés comme un guépard prêt à bondir. Les voilà. Mordez Brave, on va pouvoir y aller. La confiance aveugle que nous avons dans notre chef suprême fait que nous obéirons sans hésiter, même si ses ordres nous paraissent étranges. Nous savons désormais que le but est d'abord de jeter une pleine lumière sur certaines ombres. Georges Stowe, Gury et moi étions inquiets. Où étiez-vous donc? Rocambole avait cru pouvoir me retenir. Rocambole? Le fils de Sivin? Il m'avait enfermé dans sa cave. Oui, avec moi. Mais j'ai soufflé sur ses murailles. Grâce à moi. Tu connaissais le sortilège, Osmanquin? Pourquoi ne m'en avais-tu pas parlé? Je ne pensais pas qu'il vous serait utile. Pas de message de l'IRMG? Non. Si l'IRMG se présente, prévenez-moi immédiatement. Tant que je ne l'aurai pas reconnu comme notre chef suprême, vous ne devez pas lui obéir. Gypsy. Oui, je sais que mes ordres ont été exécutés. Où l'avez-vous caché? Voulez-vous la voir? Oui. Oui. Oui, l'intervention de Rocambole a retardé l'exécution de nos projets. Nous ne devons maintenant plus perdre une seule seconde. Voilà. Tout est prêt.
Nous n'attendrons que votre ordre. Quoi ? Un bûcher ? Le nouveau serviteur de Cali ne sait-il donc pas que c'est le feu et non le lacet de soie qui est promis aux jeunes vierges ? Vous voulez brûler, je... Tais-toi ! Mais où suis-je donc ? C'est un cauchemar. La vie elle-même n'est-elle pas le songe d'un démon ? Et si elle est songe, tout n'est-il pas possible ? Vous me faites peur. Tu n'as pas à avoir peur, Gypsy. Quand tout est possible, la vie a autant de chance que la mort. Que signifient ces paroles ? Et ce qu'elles signifient dans nos livres sacrés ? La vie et la mort sont égales puisqu'elles ne sont toutes deux qu'illusions. Mais... Vas-tu te taire ? J'ai maintenant quelques visites urgentes à faire, que tout soit prêt à mon retour. Où allez-vous ? Est-il d'usage que le serviteur interroge le maître ? Que tout soit prêt à mon retour, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bien. La torche elle-même sera près du bûcher. À peine franchirez-vous la porte que le feu commencera de monter. Attends-moi là. Mais Gypsy... Justement, à mon retour, nous l'enlèverons. Sa mort n'est pas nécessaire. Tiens-toi prêt. Nous partirons dès mon retour. Et surtout, veille. Va. Mais que faites-vous ? J'obéis aux ordres de George Stowe. Mais il vous a dit d'attendre son retour. Qu'est-ce qui te trouble, serviteur de Cali, la mort ? George Stowe a rappelé lui-même qu'elle n'est qu'illusion. Comme un homme dépouille ses vêtements usés pour en prendre de neuf, ainsi l'âme, dépouillant ses corps usés, s'unit à d'autres nouveaux. Et le fer ne la blesse pas plus que le feu ne la brûle. Faites mal. Gypsy ! Vous n'avez pas besoin de serrer si fort. Que puis-je faire ? Gypsy, je voudrais te dire que George Stowe... Oh, pitié, mon Dieu. Pitié. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Non. Je ne veux pas. Oui. Aucune importance. Milady, maintenant, annonce-moi, vite. Milady ? Qu'as-tu donc à faire la hurie, là ? Dépêche-toi ! Mon Dieu, mais... Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Milady n'est pas là. Que dites-vous ? Non, elle est partie. Partie où ? Elle m'a dit qu'elle allait chez Sir George Stowe. Et moi qui croyais que c'était vous ! Je pars tout de suite à ton maître. Les cours, va me le chercher. Je ne peux pas, monsieur. Comment tu peux pas? Et pourquoi donc? Parce que mon maître est absent, monsieur. Absent? Absent quand je me décidais. Bon, alors, il faut que je parle à quelqu'un de son entourage. Le jeune garçon, par exemple. Je ne peux pas non plus, monsieur. Enfin, tu vas pas me dire qu'il y a personne? Si, monsieur, je suis seul. Même le valet de chambre qui, d'ordinaire, m'aide dans mes travaux, est parti lui aussi. Non, mais... Alors, tu peux me dire où se trouve ton maître? Monsieur ne me dit jamais où il va. Et je n'ai pas à le savoir. Ah non, c'est... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Rocambole. Où es-tu? Gypsy va mourir.
crois qu'on peut. Voilà maintenant plus d'un quart d'heure que le maître nous a quittés. Mort des braves et là et... Baccarat, que faut-il attendre encore? Le maître ne t'a rien dit de particulier? Rien. Pourtant, il a un plan. Ah, j'en suis sûre. S'il nous a demandé de rester là, c'est parce qu'il a un plan. Nous risquons de tout faire échouer si nous n'obéissons pas à la lettre. Mais alors, pourquoi ne donne-t-il plus signe de vie? Je ne sais pas. C'est ce qui m'inquiète. Nous sommes sans nouvelles depuis si longtemps. Regardez. Sir Williams qui revient. Il court. Vous ne pensez pas que tout va se jouer? Que tout va se jouer quand Rocambole a disparu? Vous n'aurez pas pitié de moi. Votre silence est plus effrayant que la mort. Oui, milady. George Stowe, puisque te voilà de retour, nous pouvons enfin commencer le sacrifice. Non. 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 Arrête! À qui dois-tu obéissance? Ne suis-je plus ton chef? Ne sais-tu pas ce que tu risques d'agir sans mon ordre? Et toi, traître, qui te permet de te substituer à ma puissance? Vous tous, vous jouez contre moi un jeu bien dangereux. Je suis George Stowe, l'envoyé d'Ali RMG. Tu vas me dire où tu as caché Milady, hein? Ne nie pas, je sais d'où je viens de chez elle. J'y ai appris qu'elle cherchait à me joindre. Alors, où est-elle? Tu parleras, traître. Où est-elle? Ici. Oubliez-vous que je suis l'épouse d'Ali RMG, chef suprême des prêtres de Kali? Et nos conventions? Nos conventions n'ont rien de secret. C'est par mon bon vouloir que les prêtres de Kali ont jusqu'à présent puisé dans le trésor de mon père. Ce même bon vouloir décide aujourd'hui que cet avantage leur est retiré. Je puis donc révéler que nous avons formé le projet d'aller à Londres, y reprendre l'héritage de ma famille. Mais pourquoi venir jusqu'ici? Je voulais m'assurer que personne ne pourrait plus désormais contester la propriété de ma fortune. Mais ceci est mon affaire. Douteriez-vous de ma parole? Me refuseriez-vous le plaisir d'en contempler la preuve? Il me faut d'abord prendre quelques dispositions. Lesquelles? Allez-vous-en. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir vu de mes yeux la preuve que j'ai dit. Et si je refuse de vous laisser contempler un tel spectacle? J'irai seule à Londres. Vous me provoquez tous. Vous assemblez ici pour voir mon vrai visage. N'avez-vous pas peur d'apprendre qui je suis? Seul contre tous, je suis homme à vous surprendre encore. Sachez-le bien. En ce cas, monsieur, l'heure de la surprise est venue. Allons, mes braves! Voici votre heure. Rocambole. Au bon moment, comme d'habitude. Bien sûr, chevalier, te voilà. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Mais te voilà du même coup dans la gueule du loup. Du loup dont mes tocs sont les crocs. De jolis crocs qui ne me croqueront pas. Tu vas voir. Baccarat m'a osé montrer à monseigneur ce que vous savez faire. Gypsy! Gypsy! Fou que tu es. Tu crois donc que je vais te laisser faire? Et qu'à vous cinq, vous êtes de taille à lutter contre mon armée de serpents. Allez.
Allez. Vous m'avez entendu? Allez. Non. Je me suis pas enfui de ta prison pour me montrer impuissant devant toi. Dague! Tu perds ton temps, monseigneur. Est-ce que je rêve? Vous ne m'obéissez plus même pour vous défendre. Ali RMG est à Paris. Nous n'obéissons plus qu'à lui seul. Ali RMG. Où est-il? Ici, au milieu de nous. Où est-il? Ici. Qui est-il? Tu le demandes. N'es-tu pas le seul à l'avoir connu aux Indes? Je ne le reconnais pas parmi vous. Celui qui se prétend à l'IRMG n'est qu'un imposteur. George Stowe. Depuis 10 ans, je n'ai pas revu à l'IRMG. Mais je n'ai pas oublié son visage. Direz-vous encore que c'est lui, l'imposteur? Ta mécanique est cassée, monseigneur. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Une femme. C'est une femme qui m'oblige à jeter mon masque. Oh, destin, il te fallait ce coup dérisoire pour m'atteindre. À l'IRMG. Puisque tu m'entends, qui que tu sois, écoute mes paroles. Tu détiens une puissance dont tu te crois digne. Mais à ta place, moi, j'aurais conquis le monde. Pourquoi conquérir le monde? Se conquérir soi-même est plus important. Toi. Toi, l'IRMG. Mon silence a fait plus que tes paroles. Tug, serviteur de la déesse, que vos yeux s'ouvrent, que votre langue se taise, que vos cœurs frémissent de joie dans vos poitrines. Voici votre chef et votre prince. Guri, ou plutôt prince, puisqu'il faut désormais t'appeler ainsi. Tu t'es donc joué de moi depuis ton arrivée. Avant même mon arrivée, je me doutais que tu n'étais pas George Stowe. Comment cela? Le premier message que j'ai reçu aux Indes, après ton installation à la tête de mes thugs exilés, faisait état de notre rencontre à Lahore. Eh bien, n'as-tu pas rencontré George Stowe à Lahore? C'est son envoyé que je recevais. Je n'ai jamais vu George Stowe. Son action au Bengale suffisait pour m'inspirer confiance. Et pourquoi ne pas t'être montré avant? Depuis ma venue à Paris, sous le nom de Guri, j'ai su que tu avais rencontré Milady. Il me fallait alors savoir non seulement pourquoi tu avais pris la place de George Stowe, mais aussi le motif de tes visites à la mère de mon fils. Prince, vous l'auriez appris sur l'heure si vous étiez venu me voir plus tôt. Je ne pouvais, madame. Pourquoi? Pendant ces 3 derniers mois, j'ai souffert plus que vous ne pensez de vous sentir si proche sans que je puisse faire un seul pas vers vous. Car il me fallait vous fuir encore, comme je vous ai fui il y a 10 ans. Mais pourquoi? Pourquoi? Pardonnez-moi. Vous serez bientôt satisfaite. Et qui donc, prince, t'a dit la vérité sur mon compte? Toi. Ton attitude en ces lieux aujourd'hui. C'est donc bien vous, madame, qui m'avez tendu ce piège. Non. C'est Rocambole. Monseigneur, monseigneur, il le fallait. Je suis venu ici à la recherche de Gypsy et j'ai trouvé Ali RMG. Souviens-toi, monseigneur. En ta présence, j'ai reçu un billet de Milady qui m'informait de l'arrivée d'Ali RMG. C'est devant Rocambole que je me suis fait connaître de mes fidèles. Son action, peu à peu,
dissipaient depuis des semaines mes doutes à ton sujet. Mais j'ai aussi appris à l'estimer. J'ai demandé au prince d'envoyer chercher Milady, et puis j'ai attendu l'heure du simulacre. Du simulacre? Le sacrifice de Gypsy. C'était là que nous t'attendions, monseigneur. Elle ouvre les yeux. Où suis-je? Gypsy, tu es sauvée. Baccarat, mon ami. C'est Marmouset qui a défait Elia. Marmouset? Le maître vous a donc conduit jusqu'à moi? Oui. Rocambole a gagné. Rocambole gagne toujours. Où est-il? Eh bien, avez-vous assez raconté vos ruses et vos exploits? Êtes-vous satisfait de vous-même? Mais ne l'oubliez pas, vous ne m'avez pas touché au cœur. Car mon action a plus de sens que la vôtre. Votre triomphe est précaire, seul celui de la mort est sans rémission. Rocambole, c'est toi qui m'as battu. Toi seul. Ouais. Non. Inutile. Cet homme porte en lui son propre châtiment. Vous le laissez s'enfuir? Prince. Pourquoi l'orgueil de s'ériger en juge? Mes fidèles, plaignez la solitude des princes, car elle les sépare des hommes. Mais moi, je vous ai tous connus. Le temps que j'ai passé humblement près de vous, enfermé dans mon mystère et mon silence, m'a plus appris que 10 ans de règne. Ali Remjé s'est caché sous le nom de Guri. Mais c'est Guri qui aujourd'hui devient votre prince. Madame, puisque me voici maître de mes désirs, l'heure est enfin venue de vous dire le secret qui depuis si longtemps a fait votre malheur. Venez. Un instant. Que me voulez-vous? Prince, votre noblesse ne me fait pas oublier qui vous êtes, ni ce que sont les étrangleurs. De cela, nous reparlerons plus tard. Non. Vous êtes mon ennemi. Notre trêve n'a qu'un temps, la voici terminée. Je vous ai dit plus tard. Impossible. Il faut rendre immédiatement à Dorothée le trésor de Lord Perkins, dont elle est la seule héritière. Je désire auparavant m'entretenir avec Milady. Pardonnez-moi, je ne puis vous le permettre. Gypsy a trop longtemps souffert par votre faute à tous deux. Monsieur. Prince. Je vous ai dit plus tard. Bien. Vous l'aurez voulu. Allons, mes braves. Vous n'êtes que 4. Mais vous vous battrez comme 1000. Prince, pourquoi ordonnez-vous l'arrêt du combat? Tag, voici celui qui sera bientôt votre nouveau chef. Dans la grande pagode de l'art où nous allons maintenant rentrer, je lui remettrai le signe de sa puissance. Jusque-là, je ne veux plus que s'accomplisse un seul acte au nom de Kali. Mais pourquoi? Pourquoi? Porté par ma naissance à votre tête, j'ai longtemps assumé contre l'ennemi la lutte de mes pères. Aujourd'hui, me vient une lassitude qui me fait désirer vivre pour d'autres soins. N'en ai-je pas acquis le droit? J'ai accompli ma tâche avec conscience. Il m'en reste une autre. Il faut d'abord rendre à Gypsy son nom et sa fortune. Sa fortune? En 10 ans, les thugs l'ont épuisé. Voici ce qu'il en reste. Le notaire de Londres peut vous fournir le détail du compte. Inutile. 3 diamants sont encore un trésor pour une bohémienne. Mais ce n'est pas votre justice qui peut le lui donner. Pourquoi? N'est-elle pas l'unique héritière? Non. Les trésors du major Perkins appartiennent en vérité à l'héritier du Maharaja de Lahore. Le seul Maharaja qui ait osé combattre l'Angleterre et qui soit mort dans ce combat. Ce trésor est donc une prise de guerre? Oui. Et qui est l'héritier? Moi. Vous? Et madame. Le prince Ali Remjé est le fils de celui qui a si longtemps combattu votre père
Voilà le secret que j'ai dû taire pendant 10 ans et qui m'a déchiré le cœur. Prince, je suis donc la fille de celui qui a tué... Non, madame. Ne prononcez pas de telles paroles. Et si bientôt nous réveillons la tragédie de notre amour, que ce soit avec des compassions dignes de nos souffrances. Oh, Metag, comprenez-vous maintenant pourquoi j'ai suspendu votre combat et j'ai désiré vous donner un nouveau chef? Le temps de la violence est passé pour moi. J'en ai trop connu la cruelle épreuve. Je sais, Osmanka. Mais Krishna, dans sa sagesse, comble le cœur multiple de l'homme. Car celui qui, dans un endroit pur, dresse un siège solide et qui, l'esprit dompté, fait sa vérité de la science et de la foi, celui-là trouve aussi la paix suprême. Monsieur, gardez Gypsy et faites son bonheur. Voilà le cadeau que le prince Ali Remjé fait à la petite fille de son ennemi. Prince, il manque encore à votre noblesse un dernier quartier. Lequel? Donnez-moi l'assurance que les Thugs quitteront Paris aujourd'hui même et qu'ils n'y reviendront jamais. Mais, Asmanka! Bandur Manian Maniat, Manat Jita. Il est son propre ami, celui qui s'est vaincu lui-même. Songe, Osmanka. Un jour viendra peut-être où la violence ne sera même plus nécessaire. Maintenant, madame, votre fils vous attend. Venez. Monsieur, je n'oublierai pas Rocambole. Allons, madame, ne faites pas attendre votre fils. Il y a 10 ans, je n'étais venu à Londres que pour retrouver Lord Perkins et venger la mémoire de mon père. Mais je vous ai rencontré et je vous ai aimé. Et mon drame a commencé. Mais pourquoi ne m'en avoir rien dit? J'étais prisonnier de ma lutte. Une lutte qui m'a contraint à me servir de vous. Ah, vous auriez dû me haïr, madame. Sans comprendre la raison de ma cruauté, au sein de 1000 incertitudes et de 1000 tourments, vous m'avez été fidèle. Je croyais si fort en vous qu'il fallait bien que vous me reveniez. Vous donnerais-je tout le bonheur du monde que je ne me sentirais pas quitte envers vous. Vous êtes près de moi. Nous allons rejoindre notre fils. Je ne désire rien de plus. Content, Rocambole. Pourquoi détournes-tu la tête? Je suis fier de toi. Tu as joliment combattu. Mon bon maître, êtes-vous venu me dire cela? Je suis venu te demander ton secret. Quel secret? Tu joues à l'ange et tu y trouves le même plaisir de vivre qu'à jouer au démon. Comment fais-tu? Rappelez-vous. La nuit de notre rencontre, devant l'estrade des funambules, je vous ai dit « Je veux maintenant que la pantomime s'achève sur un sourire. » Je ne peux pas sourire ainsi. Hélas, je ne le sais que trop. Pourtant, ma vie n'est pas inutile. Je rends plus clair le sourire que tu aimes. Oui, nous combattrons l'un l'autre, avec la même rage, le cœur déchiré, mais secrètement content. Vous sentiriez-vous encore humilié? Je ne le veux pas. Je ne suis pas humilié.
Je ne suis jamais humilié. Pourtant, c'est toi qui as la meilleure part. Tu ne portes pas sur les épaules tout le poids que je porte. À bientôt, mon fils. Ne te retourne pas. Je ne veux pas que tu me vois disparaître. Désemparé parce que notre aventure se termine. Tu tiens seul entre tes mains l'avenir de chacun de nous. Il ne faut pas. Je ne veux pas. Pourquoi? Il est bon que vous fassiez vous-même votre vie. Tu pars? Mon destin n'est-il pas de passer? Et pourquoi n'attendrait-on pas Rocambole ailleurs? Gypsy, voici tout ce qui reste de ton trésor. 3 diamants? Tiens, prends, ils sont à toi. Non. Pourquoi? C'est un autre trésor que je veux. Un trésor que seule l'amitié peut donner. Baccara, je te confie ces 2 enfants. Ainsi, je n'aurai plus le temps de penser à moi. Vous vivrez ici tous les 3. Le major Avatar a vécu et il vous laisse sa maison. Tiens. Pourquoi? En souvenir de notre commune aventure. Tu as été mon meilleur lieutenant. Le meilleur? Et le plus cher aussi. Nous reverrons-nous? Qui sait? Les chemins se croisent, se séparent, se recroisent. Il faut marquer chaque carrefour d'une pierre blanche. Quant à toi, Gypsy, je voudrais que ce soit le caillou du petit poussé qui indique le chemin. Quel chemin? Celui du trésor que tu croyais perdu. Quant à toi, Marmouset, te souviens-tu du diamant que tu as jeté à la rivière? Oui. Alors voilà. Chacun retrouve ici ce qu'il est venu y chercher. Tu vois ce coffre? Il est plein d'or. Je n'ai pas tout perdu. Je vais pouvoir recommencer. Allez, viens. Gypsy. Tu l'aimais? Elle est morte. Elle n'a plus d'espoir. Gypsy est vivante. Rocambole l'a sauvée. Elle vit? Alors? Alors je te suivrai. Nous recommencerons ensemble notre quête dérisoire. Mais... je serai de nouveau ton bouffon. Il n'a pas voulu que nous l'accompagnions. Il n'aime pas les départs tristes.
ne suis plus triste. Toi, peut-être. Baccarat, mon ami. Il a trouvé sa vie. Et grâce à lui, nous avons aussi trouvé la nôtre. L'homme qui, un soir, a accepté d'être mort, maintenant ne peut plus mourir. Rocambole est éternel. Il galope. Et son galop est comme une danse. Ah oui, Rocambole danse sa vie. Et tout ce qui danse est joyeux.